Tyrion ne pourra jamais vous faire passer sous une échelle. Si vous frissonnez à la seule vue d'un chat noir et que vous collectionnez les trèfles à quatre feuilles, vous comprendrez certainement le drame de cet homme. Autour de sa table, par un soir de réveillon, ils sont 13. Faut reconnaître que c'est une superstition tenace dans certains milieux. Du seul point de vue mondain, ça peut être assez embêtant pour celui qui reçoit, évidemment. Qu'est-ce que je disais ? Mais bon, faut être un peu con-con quand même. Un vent de modernité souffle sur ce classique du théâtre de boulevard. Pierre Palmade adapte cette pièce et place l'intrigue dans le salon bourgeois d'un couple gay du 6e arrondissement. J'appellerais ça l'amour. Je ne l'aurais pas fait juste pour rendre la pièce homo au lieu de la rendre hétéro. C'est que j'ai envie que ce qui est banal pour moi le soit pour tout le monde. Une personne sur 10 a priori est homosexuelle, il paraît. Donc voilà, une pièce sur 10 de boulevard va l'être aussi. Et c'est Jean Leduc, l'acteur principal, qui incite Pierre Palmade à endosser pour la première fois le rôle de metteur en scène. Que j'ai eu l'audace de proposer ce projet à Pierre en espérant que ça lui plaise. Mettre en scène, c'est vrai qu'il faut être responsable de tout, mais c'est passionnant. Pour cette petite troupe menée par Pierre Palmade, sur scène comme en coulisses, c'est la franche rigolade et le sens de l'hospitalité qui prime. Comment, si vous donnez ça à la presse, ils prennent ça et après, est-ce qu'on peut on raconte sa vie hein, de la loge. C'est possible que vous sortiez maintenant.